Bonjour, bonsoir, fanatique, journal Nefio, ça dépend de qui l'est, de qui côté, n'a suivi bulletin, information, ça. Avant de commencer, m'a dit un gros merci, et m'a j'aime suspendre, fin de dire merci. À tout le monde, tout fanatique, nous, tout abonné, nous, qui toujours supporte nous, avec like, yo, qui toujours là pour nous, pour partager vidéo, et qui quitte commentaire pour nous, ça fait nous plaisir, et ça va nous force à détermination, pour nous continuer à chercher information pour vous. Et si vous pouvez vous abonner avec Chanel là, pas hésiter à faire ça, ou qu'à toujours suivre nous sur Facebook, ou qu'à suivre nous sur Instagram, ou qu'à suivre nous sur Twitter, ou bien ou qu'à checker website, nous, tout, qui c'est www.journal9.tv. Vie. Et nous gagnons citoyen Peggy Siméon qui arrivait perdu la ville hier mardi 11 mai après qu'elle était victime en bas coup de bâton dans la police dans Wanamet. Victime nan qui t'a rejoint une famille après que autorité dominicaine yo t'a déporté, il était vinn pas de possibilité pour lui payer transport pour la jeune famille, il monté sous tête un bus qui t'a gagné un groupe missionnaire catholique Wanamet la donne. Fidèle catholique yo pas accepté pour Peggy rester sous tête bus là, mais il était insisté, il était décidé pour aller ensemble avec yo. Fidèle yo qui pas content, yo t'a relé la police et la police t'a ni paraît sans maîtrise ni explication, yo prend jeune homme là pendant sous tête bus là, yo voyé en bas tant qu'un sac fatra. Il tombé sous face. Et pendant la terre, c'est coup de bâton qui a posé la question, c'est coup de bâton qui a interrogé, c'est coup de bâton qui a demandé comment le relayer. Et information nous fait connaître que c'est quatre policiers Udmo qui t'a touillé jeune Peggy Siméon. Et pour le moment, on a parlé là, quatre agents Udmo ça yo, yo déjà metté yo en isolement. Nous avons un BRH qui a affiché tout l'argent pour journée jeudi, mercredi 12 mai 2021. Ou a besoin 87 gouttes 61 centimes pour un dollar américain. Direction nationale d'eau potable et assainissement inauguré un réservoir de l'eau qui gagne une capacité de 500 mètres cubes dans la commune Akaye, hier mardi 11 mai. Directeur général d'INEPA, M. Guito Edouard, t'es tout profité pour visiter travail construction, yon lot réservoir de l'eau qui a capacité 1000 mètres cubes dans la commune Kabare. Yon fait connaître que réservoir ça a en service dans quelques semaines, toujours selon déclaration M. Edouard. Directeur d'INEPA continue pour dire que y a 13 nouveaux kiosques qui gen pour construit qui fourniti ak pose yo ces 300 branchements en particulier ap gen yo gen pour yo démoli et remettre en état 12 000 m² voie ak trottoir ak yo mise en place pour 15 poteaux d'incendie. Ce travail ça yo ak en pilote encore qui prévoit pour moi k'ap vini là. Projet ça a permettre population ville Akaya ak zalantou li yo gen accès à l'eau potable. C'est coopération espagnole là qui finance projet si là. DG d'INEPA rappelé que gen l'autre projet qui sur route exécuté pour plusieurs villes province dans cadre pour augmenter accès à l'eau potable dans pays ya. Et par bon côté, ambassadeur royaume espagnol dans le pays d'Haïti, M. Pedro José San Serrano, il renouvelé engagement pays li pour continuer à supporter d'INEPA dans le travail. Et qui travaille, c'est dans le cadre pour augmenter l'accès à l'eau potable dans le pays. Dans ce sens, la coopération espagnole là compte moyen près de 1 250 000 habitants. Nouvelle mort, nouvelle massacre, nouvelle assassinat a continué fait parler de lui, a continué bay nouvelle li, a continué bay toya si men la troublaille, mettez deuil à glonanger la caille famille.
Rodney Dor, c'est non yon businessman. Bandi touye nan Kafou Difo, Léogane, plizye moun pran bal. Population an bloke route nationale la en signe de protestation. Monsieur Rodney Dor, qui c'est un gros businessman nan Kafou Difo, Léogane, population bloke route la parce que bandi armé et non identifié t'arrivé touye l. N'a pas rappelé pour que M. Rodney Dor, alias Wismi, a été tenté de kidnapper dans le Kafou Difo, toujours dans Léogane. 18 mai, 18 février, excusez-moi, amis internautes, nous, 18 février 2021, qui s'est passé là. Et c'est à grâce à la vigilance agent sécurité qui t'a fait bandit patrivé à Léavel. Ça, il était passé 18 février 2021. Côté que te gen en pile coup de zame qui t'a tiré en pile cartouche t'a tiré nan moment que bandi yo te manqué enlevé et monsieur Rodney Dor nan Kafou Difo nan Léogane. Secrétaire d'État ak sécurité publique là monsieur Franz Sébastien Jean-Charles nan rencontre ak la presse jeudi mercredi 12 mai li dit tout bagay sous contrôle. Tout moun pose. Tout moun pose. Tout bagay sous contrôle automatique. D'après déclaration, secrétaire d'État ak sécurité publique là, monsieur Franz Sébastien Jean-Charles, nan yon rencontre ak la presse que te gen jodi a, li déclare que tout bagay sous contrôle. Nou pa bezwen pa rien pour causer mezi sécurité référendum qui prévoit fête 27 juin qui vini là. Mais oui, nous tout met posé parce que ça gagne qui rien rapport avec sécurité a nous met posé d'après déclaration secrétaire d'état. Nous met posé monsieur Jean-Charles Franz Sébastien garantit sécurité. Li montre gen en pile espoir pour occasion ça. Ça plus que la foi Abraham. Oh oui. Li garanti sécurité, il montre gen en pile espoir pour occasion ça. Et côté que li affirme gen en pile sécurité, c'est le sécuritaire qui travaille sous tout ça gen rapport ak référendum nan. Oh oui. Bout sécurité li prévoit qu'a bien organisé pour causer référendum nan. Personne moun pa rien pour yo crainte, nous pas besoin peur rien parce que sécurité nou a garanti. Yo garanti, yo ba nou mise en garde, yo di nou que nous pas besoin peur rien si nous ta kwè parole secrétaire d'état ak sécurité publique là. Mes amis, gros tension. Gros bout de tension éclaté jeudi mercredi 12 mai à la Cité Soleil. Ça qui la cause affrontement ça. Qui ça qui la cause tension ça? Et mais c'est gros bataille entre gang oui. Et d'après information qui rive joindre nous, il y a 5 monde qui blessé qui prend soin dans l'hôpital dans zone métropolitaine là. Et que parmi les victimes, yo gen yon agent sécurité là-dedans. Pour qu'on y a là pas gen son zam automatique, pas gen jazz kap chante, pas gen jazz kap joué, pas gen aucun ti son moun tande. Seul bagay que on capable remarquer, personne pas capable trop fréquenter zone route nationale numéro 1 hein, à cause de affrontement ça qui s'est passé là. Bagay yo grave. Bagayou grave. Gros affrontement. Cité Soleil. Gang ap goumen. Moun ap mouri. Yap assassiné. Yap touye. Aïe. Ça dépassé. La police nationale la répond présent nan presque tout petit coin dans zone métropolitaine nan. Et puis qui ça connait encore excepté quatre c'est que bandi a contrôlé
Bien entendu, mon cher. Mes chers internautes, bien entendu, c'est normal. Yo répond présent dans presque tout si coin dans la zone métropolitaine. Seulement si zone, seulement si quartier bandi yo contrôlé. La vraie, yo pas ka présent. Ah non. Tout côté kidnapping fait souvent yo, très fréquent yo. Ça fait plus que une semaine. Des présences constantes la police. Pour qu'on sache bien là, tout suite après que monsieur a annoncé que vous prenez une petite pause dans le cadre d'opérations que vous avez menées, exemple kidnapping et la trio, et puis tout après que CNDD a fini négocier avec vous, et puis, ouais, boum, déploiement ça a fait. Mais oui. Oui. Tout de suite après, monsieur a négocié ensemble avec CNDDR et puis annoncé que vous prenez une petite pause. Vous prenez une petite pause de 2 mois. Oui, c'est ça. Et puis, ouais, bon, seul coup, déploiement en fait. Mais oui. La police a soubrisé. Et puis, dans gang. Tout le monde suspense, c'est ça, oui. Puisque deux groupes monsieur ont annoncé que pause là c'est pour 2 mois, le temps pour y réaliser chapitre référendum, non. Naturellement. Mais c'est ça, oui. Oh oui. Non, le temps pour y réaliser chapitre référendum, non. Ils prennent une pause pour 2 mois. Ça veut dire deux groupes nègres, ça y deux groupes monsieur, ça y qui a fait actualité plus souvent dans le dossier kidnapping. Ils ont annoncé qu'ils proposent pour 2 mois. Oui, 2 mois. Et pendant ce temps, tout de suite, ça, après qu'ils ont fait annonce solennelle, ça, nous sommes capables de dire que la police lui-même a déployé dans tout petit raccourci, dans toute petite zone, remarquez. La police nan ti blok sa, nan ti blok an ba la, kay voisine Serafin, ou pa di chanm te kon remarke prezans la polis, tout suite ou yo an bandisyon, yo an gen, men se normal, an juje kwa bon. Se normal kan men, yo la pou yo proteje servir. Yo proteje servir populasyon, tout kom yo te proteje jen sa ki te sou tèt bus la, epi yo servil. Oui. Mais qu'est-ce que nous avons posé la question ça, nous avons posé la question ça et nous avons demandé tout et est-ce que ça a continué après 2 mois pause que a observé la question ça, est-ce que ça a continué après 2 mois pause que monsieur a dit qu'il a observé la. Est-ce que ça a continué? Est-ce que des réponses? Nous posons des questions, c'est vrai. Mais le seul bagage nous a fait, c'est suivre, nous arrêter pour nous suivre. Oui. Eh bien, nous suivons. Police nationale a continué à compter cadavres. Abel Rochas. Yon policier agent 4 que yon assassiné jeudi, mercredi, dans Delma 3, pas trop loin avec marché Clorox là. Oui, jeudi, mercredi 12 mai 2021, yon assassiné yon policier agent 4 qui relait Abel Rochas. Et d'après information qui vient joindre nous, victime n'a recevoir plusieurs cartouches dans l'estomac. Biou, 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 biou. Pendant que le tap saute fait, il y a une transaction, la banque, dans la même zone. Ça. Et puis tout ça. Tout de suite, après ça, individu armé, il a mis 20 ans voile comme d'habitude, il va t'apprêter. Et mission yon accompli, yon accompli mission yon, et puis yon mette van nan voil yon, yon pren la poudre de scampette, et puis sortant de ya, yon pren l'ouvri enquête, et puis après ça, boum, tout bagay fini, yon oublié.
Eh bien, d'après ça, yo rapporté nous, Claudie Etienne, que yo pas mentionné l'âge li, et brigade de protection des mineurs ensemble avec DCPJ, interpellé pour bay explication sous Zakadejak qu'il t'a commet sur une petite fille 15 l'année. Pour le moment, ça n'a pas parlé avec nous là, et dans garde à vue, dans DCPJ, poursuite. Pour séduire yo. Mais oui. Yon date, yon l'histoire. Robert Nesta Marley, alias Bob Marley, il était fait 6 février 1945 dans yon zone 9 miles dans pays Jamaïque. Li mouri 11 mai 1981 à l'âge 36 ans dans ville Miami aux États-Unis après que li tap souffri à qui un cancer généralisé. Bob Marley c'était un musicien chanteur jamaïcain. Li était un auteur, un compositeur et un interprète. Eh bien, nous pas suspendre remercier vous pour attention. Nous pas suspendre vous merci pour petit temps on prend pour t'étendre nous. C'est là nous mettons un bout à info yo dans gain pour nous retendre encore dans prochaine vidéo. Et pas oublier partager vidéo ça pour nous. Abonnez à la notification qui se ti cloche la que ouais pour pas perdre rien dans ça qui gen rapport à information de tout ça qui a passé dans monde là. Ou capable écrire nous, ou capable quitter un commentaire pour nous tout comme ça tout et nous même nous prend le soin pour nous répondre. Ou même qui voulait faire promotion pour business ou pour entreprise ou pas hésiter quitter un commentaire, n'a pas entrer en contact avec ou sous peu. Merci en pile tout le monde. Bye bye pour une prochaine fois encore. Bisous bisous.